La gare, c'est un décor construit magnifiquement par Guy-Claude François. C'est basé, on s'est dit, une des règles, c'était que plus rien n'existait. Donc c'est une absence de gare. C'est une gare où il ne reste rien, quelques pierres et des panneaux. C'est tout. Il ne reste que ça. Et d'ailleurs, Guy-Claude a fait un travail qui est le même décorateur que j'ai dans La Princesse de Montpensier, qui a fait aussi Capitaine Conan et L627 et La Passion Béatrice. À chaque fois, ces décors sont tellement organiques, ils sont tellement formidables que personne ne pense que c'est un travail de décor. Donc, il n'est jamais nommé au César. Mais jamais!